Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur le jeu de l'année Ping Pong VR. D'ailleurs je pense que vous vous demandez pourquoi j'ai pas attendu l'édition Game of the Year pour l'acheter. Non, en fait vous vous demandez pourquoi je l'ai acheté, tout simplement parce qu'il était à 2€, je me suis dit je vais dire à un pote de l'acheter, 2€, il va l'acheter, on va faire des games, on va s'amuser. Mais au final ils ont fait un jeu Ping Pong qui est même pas multijoueur, donc j'espère au moins qu'il est bien, on va voir ça ensemble, c'est parti, go. Attention au langage hein. Vous avez intérêt à être prêt, hein. Moi j'engage, je niaise pas hein, quand j'engage. What? Le public il retire sa tête? Le public retire sa tête? Chaque environnement est conçu comme un stage avec un public entièrement animé pour un environnement de jeu immersif. Parce que dans les tournois de ping-pong, le public, quand tu rates quelque chose, ils retirent leur tête. Sérieusement, c'est immersif ça? Non mais au bout d'un moment. Va falloir arrêter de se foutre un petit peu de ma gueule, les gars. C'est pas immersif, ça. Non, mais dis donc. Moi, je me dis, je dois vraiment avoir l'air d'un con. Oui, je sais. J'ai souvent l'air d'un con, toi, ça. On a l'habitude. Ah, c'était un bel échange. Bravo. Bravo, mon pote, c'était un bel échange. C'était un bel échange, voilà. Tu vois, j'ai un niveau de ping-pong un petit peu supérieur. À la normale. Quoi? Ça a touché le bord là? Ah, il a vraiment mis le point, ça a touché le bord, d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord que c'est touché le bord, mon pote. Mais... On écoute l'arbitre, hein. Il va savoir s'il fait l'arbitre, hein. Hein? Ah, messieurs, vous savez ce que vous faites. Paf, le 7 il est à moi. Rentre chez toi. C'est mon 7, frère. C'est mon 7 de table, ça. Yes. Ah non. What? Mais range ton bras, frère! Arrête! Tu te fais du mal! T'as le point, alors pas ton bras, ça. Ok, la direction du bras quand t'as mis le point. Avec l'aide du filet. Hein. Avec l'aide du filet. Hein. Avec délicatesse, voilà! You win! Comment on marque? Aise! We are the champions. We are the champions. We are the winners. On va checker le mode arcade un petit peu ce que c'est. Parce qu'apparemment il y a d'autres modes de jeu. Vas-y, mode broken. Mode broken, c'est bon ça. Ah, c'est un mode de jeu que, ouais. Je pense savoir ce que c'est. C'est ça, c'est ce que je pensais. Putain. Et ça va être dur parce qu'il faut pas renvoyer la balle dans le trou du coup. Oh, je la mets dans le trou, mais non! Mais non! Pourquoi je la mets dans le trou? Dans le trou, mais non! Mais je suis un poissard, c'est pas possible. Bon, maintenant on va jouer à un mode, on a toujours en vrai à ça, c'est contre le mur. On va simplement essayer de faire un score pas dégueu. Ok, c'est raté. On essaye une dernière fois, si c'est raté, c'est raté. Ok. Ça compte pas. Start match. Voilà. Voilà, c'est sur ça qu'on va conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez fait découvrir un jeu au moins. Il n'est pas très cher. Il n'est pas génial, mais enfin bon, ceux qui aiment le ping-pong, ça peut largement vous suffire. En tout cas, moi j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très très bientôt pour de prochaines. C'était Crouch Gaming pour vous servir. À la plus. Ciao tout le monde. Bye bye.